Coucou tout le monde. Du coup on se retrouve dans un petit hall, donc pour le salon d'Extalion qu'on a fait, donc tous les deux. Oui, on a la Extas, c'est trop bien, mais vraiment. Voilà, donc ça c'est Chloé. Je vais pas encore présenter, mais c'est voilà, sur Instagram. Instagram. Du coup on va vous présenter tous nos petits achats qu'on a fait à Extalion. Donc on va alterner, on va faire Chloé, moi, voilà. Un sur deux, on va présenter, moi je présente et elle présente. Bon, allez, c'est parti. Donc déjà, bon, tous les deux, ça vous présente en même temps. Ouais, on a pris des petits bonbons CP, comme d'habitude. Hein, Voilà, 15 euros les deux sauts, voilà. Franchement ça vaut le coup. Il y a de tout dedans, bonbons à la passion, framboise, cerise, luzerne. La base, miel aussi, banane, ça va, plein de trucs. Trop bien. Voilà. Qui ne repart pas sans ces petits bonbons agréables du salon Extalion. Alors après, qu'est-ce qu'on a pris? Vas-y, commence. Alors moi, j'ai commencé par prendre, je vous sors ce qui vient sous la main. Mais on l'a pris toutes les deux, donc on va le montrer. Vas-y, c'est le petit savon de chez Dovoucou. C'est pour nettoyer les cuirs, en fait, il est hyper bien. C'est enfin, pour moi, c'est un incontournable aussi. C'est le truc que je prends tout le temps au salon parce que on a les selles qui viennent chez Dovoucou. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. On est toutes les deux avec Dovoucou. Ouais, donc, team Dovoucou. Si vous ne savez pas quoi utiliser pour vos selles, voilà, ce petit savon, il est juste génial. Voilà, donc pour le petit achat qu'on a fait pareil, le mec. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'intéressant? Moi, je vous présente un petit achat que j'ai fait, j'ai découvert du salon. Donc c'est ça. WR, c'est une marque de produits de soins pour les crèmes des chevaux, mais qui peuvent aussi utiliser pour les humains. Donc j'ai pris le petit savon incontournable quand on a des chevaux gris. C'est un shampoing réparateur violet pour redonner la couleur blanche au crin qui jaunisse. Voilà. Donc c'est mon petit produit à tester. Et tu peux même l'utiliser sur les cheveux, les cheveux des blancs. Ouais, apparemment sur les cheveux blonds, ça redonne de la couleur, genre de l'éclat et tout. Donc on verra bien, je vous tiendrai au courant. Bon, maintenant à Chloé de présenter son petit produit. Donc en deuxième, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai présenté ça. Donc j'ai pris une petite ceinture comme ça. Donc c'est, je voulais une ceinture depuis super longtemps, une belle ceinture. Du coup j'ai pris une ceinture, c'est quoi la marque? C'est une Spring Star. Elle est comme ça, donc elle est avec des petites traces et tout, hyper bling bling, mais elle est très très belle. Et voilà, petit achat, très cher et tout, ouais, franchement, j'adore, ça va très belle. Ça va très bien avec du jus. Ouais, grave, voilà, petite ceinture très très jolie. J'ai pris un Licol chez Cheval Shop avec la longe, donc il est comme ça. Alors, il est super beau avec les petites cordes et tout. Il est en cuir marron avec les petites cordes bleu marine, comme ça. Il est trop joli, j'aime beaucoup, il ira super bien sur mes chevaux, même sur les trois je pense. Avec la petite longe bleu marine qui va avec. Donc voilà, je suis très contente de cet achat. Ensuite de mon côté, j'ai pris une petite plaque comme ça. Donc c'est une petite plaque qu'on va mettre sur le Licol, enfin que je vais mettre sur son Licol. Donc il y a marqué le nom de ma poney, c'est marqué Dune de Madé et je voulais une plaque depuis super longtemps. Du coup j'en ai profité, j'ai pris une petite plaque comme ça en or que je peux mettre sur son Nicole. Maintenant voilà, on va mettre sur le Nicole. Ouais, on va la mettre tout à l'heure. Petite plaque, très sympa. Donc moi j'ai pris une petite pépite, un petit achat incontournable pour moi. Elle est trop belle. Donc une petite Sanken Suki, marron à monnaie comme ça. Donc elle était déjà utilisée, je l'ai prise chez Prépisport, donc d'occasion. Mais franchement elle est en super état, enfin, elle est nickel, la moumoute est vraiment super. Elle est pas du tout aplatie ni rien, donc j'espère que la taille ira. J'ai pris 5 cm en type des sangles que j'utilise normalement, mais normalement ça devrait passer. Voilà, donc je suis très contente de ce petit achat. Ensuite de mon côté, j'ai pris en plus une petite longe comme ça, donc je l'ai pris dans une boutique éthologique, western, tout, il y avait plusieurs choses différentes. Il y a plein de trucs. Et du coup c'est une longe, mais alors c'est une qualité mais incroyable, je sais pas si on allait réussir à avoir grand chose, mais c'est une qualité de longe, c'est les meilleures longes en fait clairement. Je pourrais l'utiliser en travail à pied ou quoi, parce qu'elle est vraiment bien. Le petit mousqueton qui est petit, donc ça c'est hyper pratique. Et voilà, vraiment c'est une longe, le top de la longe quoi, vraiment j'en voulais une comme ça depuis longtemps. Vraiment, si vous voulez du matériel éthologique au niveau du western, c'était un truc il y avait des le rêve, quoi. Moi je cherchais des trucs de qualité comme ça et là je n'ai pas hésité, j'ai trouvé ce que je voulais. Maintenant, voilà. Donc, la pépite. J'ai pris un petit tapis, le mieux, kaki comme ça.
En matière velours un peu, non? Ouais, il est en matière velours, genre il change de couleur limite. Ouais, pas qu'on va bien, mais hyper beau. J'aime trop, il est trop canon. Voilà. À l'intérieur, il est noir. Tout ça. Ça change en plus, genre c'est. Ouais, la coupe elle est. Enfin, elle change, il a l'air de garantir super bien ouais. Et tout, donc voilà. Mon petit achat sur lequel j'ai vraiment craqué, genre en entrant dans le salon, je l'ai vu, j'ai fait. Bah ouais, direct en entrant. J'ai vu le monsieur sur son essai, j'ai dit attendez, ne descendez pas, vous pouvez me le passer. J'ai dit bon, j'achète. Voilà, donc mon petit achat pépi, j'adore. On va continuer dans la lancée des tapis et de mon côté j'ai pris un petit tapis Christina Sport. Voilà. Vous savez, si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez ma passion pour les tapis et pour les Christina Sport, j'en ai énormément. Donc voilà, petit tapis comme ça, nidavé blanc à l'intérieur, très sympa. Sur le côté, donc il est donc gris avec une petite cordelette tressée blanche, des strass lilas mauve clair, très très beau, bord gris et bord blanc. Assez simple mais très joli, ça fait très princesse, j'aime beaucoup, enfin, ça ira très très bien ma ponette. Et voilà, un petit tapis gris chiné comme ça, c'est un basique mais canon, genre j'adore. Il est vraiment super classe, franchement les Christina Sport ils ont une qualité en plus, genre ouais. Les strass et tout sont trop jolis. Et ouais. La femme, elle a limité son stock, mais un jour. Ouais, en un jour, il n'y avait plus rien. Ouais, et ils sont trop beaux, j'ai craqué dessus, il est trop beau. J'adore. Déjà nos deux petits craquages de tapis. Ouais, franchement. Mais j'en ai fait un autre. Donc, le prochain tapis que j'ai acheté, donc c'est un tapis qui change des couleurs que j'avais pas. Enfin, du noir, j'en avais, mais du orange, ben, c'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment pas. Donc, j'ai pris un petit tapis équidé. Donc, la marque, elle est là. Pour ceux qui connaissent, ils sont sur Instagram. Ça va aller trop bien, beau et roulant. Voilà, il y a le petit logo ici. Donc, pour les couleurs, je sais pas si vous voyez bien. Là, il y a du orange avec un petit liseré argent et un petit liseré orange détail assez classe. Voilà, sobre mais classe. Voilà, c'est tout simple. Évidemment, j'ai craqué dessus. Moi, je trouve ça ouais, très joli. Franchement, ça va être sympa. Et voilà. J'ai pris un petit pantalon de chez Wow Store, c'est mon premier article de chez eux. J'ai jamais eu l'occasion d'acheter chez eux, de tester leurs produits, du coup j'ai pris un petit pantalon Wow Store comme ça. Donc j'ai pris couleur prune, donc c'est les nouveaux modèles avec nous a expliqué c'était pour les genoux et tout hyper bien. Donc moi j'ai pris. Ouais, en gros c'est pour éviter que le pantalon il descende. Ouais, puis ça fait du bien aux genoux, tout ça, enfin, bref. Voilà, j'ai derrière avec des petites poches comme ça, hyper bien. Genre il y a plein de poches partout, elles sont hyper grandes, donc c'est hyper pratique. Pour mettre le téléphone et tout, on peut vraiment mettre un grand téléphone, genre les ouais, iPhone Plus et tout, on peut bien les mettre dedans. Voilà, les petites tresses sur les côtés, sur les poches. Enfin, ouais. Je voulais vraiment un pantalon d'une autre couleur que les couleurs classiques et du coup j'ai pris un petit prune comme ça. Très sympa, et ça change. C'est très pantalon Wow Store. On a fait vraiment des petits achats qui changent du quotidien. Ouais, franchement. Moi, du coup, c'est mon dernier achat, Chloé en aura un autre. Mais moi, du coup, c'est vraiment mon dernier achat. Donc, j'ai pris un petit pantalon Show Rider sous les conseils de Léa. De l'épouser de Lélou, donc je pense que vous devez la connaître si bah oui. Vous êtes sur YouTube parce que bon, elle est assez ouais. Connue quoi. J'ai pu la rencontrer au salon d'ailleurs, c'était très sympa, elle est adorable comme fille, voilà. Donc c'est un pantalon gris, tout simple, avec des petits détails à strass. Comme strass, ouais. Enfin comme des strass, mais strass. C'est pas des strass, c'est des paillettes. Voilà, de ce côté de la poche, il y a le logo Show Rider avec des strass aussi. Et derrière, sur les fesses, pareil, il y a un côté où il y a les paillettes, donc je trouve que ça fait très joli, très classe, très féminin. Au niveau des jambes, il y a des grips, donc des deux côtés, ils sont à partir des genoux, donc ça c'est bien, parce qu'il y a des pantalons, il y a des grips qui remontent juste en haut, et j'aime pas trop, parce que ça colle trop, mais là vraiment, ils sont super bien placés et tout. Ouais, et puis ils ont l'air vraiment genre de bonne qualité. Mmh. Ils sont vraiment, mais... Genre, c'est clair. Et les bas en lycra comme ça, voilà, un gris un peu plus foncé, voilà. Et pour finir les achats qui ont déjà été vachement remplis, le dernier achat de ce haul, qui est donc un achat que j'ai effectué, c'est le pantalon. Voilà. C'est un pantalon que je voulais depuis énormément de temps. Il a des strass Swarovski derrière au niveau des poches comme ça. Voilà, c'est imitation poche. Ici il y a le petit logo. Le petit logo Sam Shield, je sais pas si on voit très très bien le petit logo Sam Shield tout en strass Swarovski. Très beau, les petits les crêpes au niveau des genoux également comme le pantalon Dorian. Et voilà, hyper joli, il coupe, il est magnifique, il est super agréable.
C'est un budget, certes, mais alors franchement, je pense qu'il ne le regretterait absolument pas. Et c'est un achat qui me fait de l'œil, mais depuis longtemps, mais alors, oulala, celui-là. Et du coup, bah, là, j'ai sauté le pas, je l'ai acheté, j'ai fait, allez, c'est bon, je le prends. Et du coup, voilà, petit pantalon. En même temps, il est si beau. Et en plus, petite publicité, c'est chez Art Equestre. Donc, oui, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour sur cette série. Franchement, c'est les best-sellers, ils sont adorables. Ils sont vous pouvez que les adorer, franchement, ils ont que des produits de ouf. Et ils sont souvent chers, vraiment. Voilà, Steph et Mika. Ouais, gros bisous. Si vous passez par là, gros bisous. Voilà, c'était le petit haul, c'était hyper bien. Bon, moi, c'était ma petite apparition sur la chaîne d'Oréane. Voilà, j'apparaîtrai sûrement la prochaine fois, d'autres fois. Voilà, c'est Chloé, du coup, qui va m'accompagner dans les aventures et tout. Plein de trucs, on va faire plein de vidéos ensemble. Elle va me permettre de prendre des vidéos, des photos, tout ça. Donc, c'est vraiment sympa. Au moins, bah, vous la connaissez de par cette petite vidéo. Oui, si vous ne connaissez pas déjà sur Instagram et tout, bah, voilà. En tout cas, merci à tous les abonnés qui sont venus nous voir au salon. Ah oui, c'était vraiment adorable. C'était trop sympa de venir nous proposer de faire des photos avec vous et tout. Ça reste que des bons souvenirs. On repart avec des étoiles plein les yeux, des souvenirs plein la tête. Vraiment, c'était incroyable. C'était une expérience de dingue et je pense que je souhaite à tous de vivre quelque chose comme ça parce que c'est vraiment... On dit que c'est juste un salon et tout, mais c'est vraiment tout en fait. C'est incroyable. C'est pas qu'un salon. Après, certes, c'est un budget si on veut passer plusieurs jours et tout, mais... Vraiment, il y a des rencontres de fous, il y a des stands juste exceptionnels. Ensuite, il y a aussi tous les cavaliers professionnels, tout ça. Il y a tout réuni en fait. C'est génial. Et deux jours, si vous y allez, pour l'année prochaine, il faut y aller deux jours. Ouais, deux jours. Un an, on n'a pas le temps de tout faire. Deux jours, c'est vraiment idéal. On a fait un petit hôtel et tout, c'était super bien. Voilà, trop sympa. Voilà, on fait un gros bisou et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.